tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec Miumi. Donc, ils m'ont proposé de choisir des articles, ce que j'ai fait. Ils ont été très généreux encore une fois. Là, j'ai pris plutôt des objets. Alors, il manque un produit, un nouveau produit qui est sorti. Mais sur le récapitulatif de l'envoi, en fait, il y a marqué que celui-là, il est en attente d'expédition. Donc, je pense qu'il ne devait plus en avoir et ils en verront dès qu'ils pourront. Donc, on va regarder tout ça. Alors, j'ai pris un peu de tout. C'est assez costaud. Je ne sais pas si je pourrais le faire en une fois ou en deux parties. On va voir ensemble. Il ne faudra pas que ça fasse trop long. Donc, on va commencer par des toiles. J'ai fait un petit craquage. Mais après, j'ai pas pris que des toiles. Hein. Donc, alors. Hop. Ah oui. Alors, j'ai craqué et je ne sais pas si ça va bien ressortir. On va voir ça quand je le ferai. Oups, pardon. J'ai craqué sur cette toile. Alors, là, elle ressort pas forcément très bien. Donc, j'espère qu'elle ressortira mieux. Donc, c'est une 30 sur 30 avec les bords inclus. Donc, voilà. Alors là, peut-être encore vous, ça ressort un peu mieux à la caméra. Donc, en fait, je vous montre le dessin. Et j'ai un peu peur que ce soit trop petit, mais on va le tester ensemble. Donc, en fait, c'est... j'ai craqué sur cette image-là. Voilà. Donc, c'est un peu style Alice au Pays des Merveilles. Mais, voilà. Donc, on va voir. On verra... En le faisant, je n'ai pas regardé si ça collait bien. Ah, ça colle super bien par contre. Donc, c'est des diamants ronds. Je vérifie parce qu'en fait, on dirait que c'est pour des carrés. Donc, nous avons 16 couleurs. Là, pour le coup, la légende est très grande. C'est bien parce qu'au moins, si on n'y voit pas bien, ben, on y voit super bien comme ça. Donc, et là, je vais vous montrer les diamants. Alors, on va les regarder vite fait. J'aime beaucoup ce dessin et j'espère que ça ressortira bien. L'occasion comme ça de le tester avec vous et de vous donner mon avis à la fin, voir si c'est bien ou pas bien là, par rapport à la taille. Donc, je vous montre. Donc, il y a du rouge, du bleu, là, du orange, du marron bordeaux. Donc, si elle ressort bien, franchement, moi, j'ai adoré ce dessin. J'ai vraiment craqué dessus. Et nous avons du noir, forcément, parce que, y a beaucoup de noir. Donc, ça, hop. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Je le rangerai après. Ça vous fera gagner du temps. Ensuite, j'ai pris d'autres toiles. C'est vrai que ça a été dur de choisir parce que il y a de très très belles toiles et que le choix a été très dur. Surtout que je voulais quand même prendre pas mal de petits objets à côté aussi pour tester. Donc ah oui, alors celle-là, elle n'est pas pour moi. C'est pour faire pour offrir à ma voisine parce que elle aime bien tout ce qui est voyance et tout. Papillon et du coup, alors je sais pas si ça va bien ressortir là. En fait, c'est un œil, donc d'où la voyance. Et il y a des papillons et un papillon dans l'œil. Bon, l'image est petite, je sais pas si vous allez bien la voir comme ça. Voilà, et en fait, il y a un papillon. Et puis, bon, elle avait craqué dessus, donc du coup, ben, je l'ai pris pour lui offrir. Voilà. Donc, pareil, c'est des diamants ronds. Voilà. Je vérifie en le disant parce que ça colle super bien.
Nous avons 25 couleurs avec bien sûr la DMC à côté. L'autre, il n'a pas la DMC. Donc voilà. Pas trop de la faire. Alors, je sais que c'est spécial, mais vraiment, elle avait craqué dessus. Moi, quand je l'ai vu, ben, j'ai décidé de lui montrer et de lui prendre pour lui offrir tout simplement. Donc, voilà. Hop, ça. J'adore là. Ce vert très clair là, il est magnifique. Je vous les montre comme ça, hein, parce que sinon, j'aurais pas le temps. Peut-être vous allumez la lumière. Ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, je vous l'ai fait ce côté. Non, ça va pas mieux avec la lumière. Voilà. Donc voilà. Ils sont trop jolis. Et comme d'habitude, eh bien, ils sont bien taillés. Bon, après, à vérifier quand on le fait. Mais au premier abord, c'est super bien taillé. Hop. Hein? Ensuite, on va faire. Je prends au pif. Hein. Donc. Ah oui. Oula. Je ne sais pas si ça va bien ressortir. Donc, il s'agit de la fée pochette. Ah oui, ça a l'air de bien ressortir à la caméra. C'est fou comme. Moi, je ne le vois pas comme vous. Vous le voyez. Au retour d'écran, je vois que vous voyez bien. Alors que moi, là, ça ressemble à rien, en fait. Quand je le regarde comme ça. Donc, bien sûr, c'est la fée clochette. Je vous montre l'image. Voilà. Ça faisait un moment que je l'avais vue, celle-là. Et à chaque fois, je disais, ouais, t'as déjà pris l'autre et tout. Elle colle super bien. Et là, je me suis fait plaisir, en fait, tout simplement. Donc, là, elle a l'air abîmée. Là, en fait, c'est que le papier. Vous voyez, avec ce papier, ça ne risque rien. Ensuite, nous avons 12 couleurs. Parce qu'elle est plutôt dans les noirs et blancs. Noir, blanc, gris. Il y a juste un peu de rose. Donc, 12 couleurs. Voilà. Donc, ça devrait être très rapide à faire. Il y a, elle fait du 30 sur 30. Je ne vous ai pas dit l'œil là. Celle-là, elle fait 30 sur 40. Avec le... Et celle-là, elle fait 30 sur 30 avec les bords. Donc, autant vous dire que ça doit faire du 25 sur 25. Donc, ça, elle est petite. Bien sûr, il y a le kit, hein, mais dans toute l'étoile, je ne vous le présente plus. Et donc, je vous montre vite, il y a du rose. Il y a plusieurs roses. Il y a du gris. Un peu de blanc. On dirait un blanc bleuté quand même. Et du noir. Voilà. Là. Hop. Ensuite, bah après celui-là, on va passer aux objets. Quoi que ça, c'est peut-être un objet spécial. Je vais y arriver. Voilà, c'est une petite toile. C'est plus petit. Ah oui. Alors, j'ai craqué. C'est une partielle. Et c'est un petit chat. Voilà. Alors, en fait, j'ai craqué sur cette toile-là. Parce que je l'ai trouvé vraiment choupinou. Pour les prix, c'est vraiment pas cher. Ça doit être du 3 euros ou 4 euros, un truc comme ça. Franchement, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai craqué sur cette image. Elle était trop choupinou, le petit chat avec les papillons. J'ai craqué dessus. Donc là, nous avons 11 couleurs. Nous n'avons que le chat à faire. Hein. Nous n'avons que, ça à faire. Donc, c'est parfait. Nous avons 11 couleurs et j'aime beaucoup. Regardez-moi cette couleur. Donc voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup de diamants puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de parties à diamanter. Nous avons réellement que le chat. Donc ça devrait être rapide et celle-là, je pense qu'on la fera en entier ensemble. Puisque franchement, ouais, c'est pas.
Bien sûr, nous avons le kit. Ça va aller très vite. Ensuite, j'ai craqué sur ce sac. Voilà. J'aime beaucoup le blanc. Avec l'été qui arrive, c'est des nouveautés. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de nouveautés. Pour moi, en tout cas. Mais ce sac fait partie des nouveautés sur le site. Donc, en fait, c'est un petit sac à main. Voilà. Donc là, nous avons le petit, la petite fermeture. C'est en simili-cuir, c'est blanc, c'est trop joli. Et nous avons que ça à diamanter. Donc, toujours pareil, tu vois, ça colle super bien. Et donc, à l'intérieur, nous avons le kit de base avec un petit pompon. Il est magnifique ce petit pompon. Un anneau. J'essaie de ne pas le faire. Et nous avons la chaînette. Je ne vous la sors pas. Hein. Voilà, c'est une chaînette. Et la barquette, la colle et le stylet. Alors, hop, je remets ça avant de le perdre. On va le mettre comme ça pour pas qu'il s'abîme. Donc voilà. Et... bon, c'est tout petit. Hein. Moi, je l'ai pris, je me dis, bon, au moins, déjà, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé très joli pour l'été et tout. Et puis, je me suis dit, moi, je pourrais y mettre des petites bricoles, vous voyez, des petits stylets, des... voilà. Moi, c'est pas vraiment un sac à main, parce que c'est un peu trop petit pour moi. Mais bon, après, peut-être pour ma fille. Ma fille, elle aimerait beaucoup faire. Et donc, on va regarder les diamants. C'est des diamants spéciaux. Donc, ah ouais, nous avons des diamants bleus, nous avons des rouges, oh ceux-là sont magnifiques, nous avons des gouttes blanc nacré, j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons des strass, donc argenté, rouge, vert, jaune, il y a deux jaunes. Oh, ceux-là sont plus petits, ceux-là sont plus gros. En fait, c'est le même jaune, mais il y a plusieurs tailles. Ah, des argentés un peu plus gros, des verts et des rouges. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre d'article. Donc, on le fera ensemble de toute façon. Et j'ai vraiment craqué sur la couleur blanche. J'ai vraiment aimé. Donc ça, je le remets dedans. Pas l'abîmer. On le fera ensemble, bien sûr. Hop. Ça. Ensuite. Ah oui. Alors, ça faisait un moment que je voulais essayer. Mais j'avoue que... chaque fois, je disais, bouf, on verra plus tard, on verra plus tard. Celles-là, ça fait un moment que je les avais vues aussi. Mais pareil, je disais, on verra plus tard. Et là, je les ai pris. Donc, en fait, c'est des porte-clés. Voilà. Mais pas n'importe lesquels, puisque c'est des porte-clés voiture. Oui, je sais. Mais vous savez, pour ceux qui me suivent, que mon mari... et mécano, mon fils est carrossier et qu'autour de moi j'ai beaucoup de personnes qui aiment les voitures. Du coup, je me suis dit, je trouverai toujours quelqu'un pour leur faire plaisir et leur donner. Voilà, pour leur offrir. Donc, c'est des voitures rouges, plutôt style voiture de collection. Et donc, est-ce que. Je vais pas y arriver ainsi. Voilà. Donc en fait, il faut tout diamanter des deux côtés. Nous avons le film de protection. Ça colle super bien. Donc nous avons ce modèle-là. Nous avons ce modèle-là. Alors, je sais que ça ressort pas trop comme ça, mais voilà. Je pense. Mais de toute façon, on les fera ensemble. Nous avons celle-là. Celle-là, je pense que je l'offrirai au patron de mon fils. Enfin, au père. Parce qu'il y a le père, le fils. Nous avons celle-là. C'est un peu style coccinelle. Et nous avons celle-là.
Voilà, donc nous en avons 5 porte-clés dedans. Et nous avons 2, 3, 4 et 5 crochets. C'est un mousqueton. Et nous avons les chaînettes. Donc il y en a 5. Logiquement, voilà. 5 chaînettes. Donc on fera ça ensemble hein, de toute façon. Donc il est vrai que j'avais eu les porte-clés et les fonds de Dirjet que je n'avais pas choisi. Que je dois faire, ils y sont là, mais j'avoue qu'ils ne me plaisent pas trop les éléphants et j'arrive pas à les faire. Mais je les ferai, hein, mais juste que je trouve le moment. Donc ça, et nous allons, bien sûr, il y a le kit avec des sachets. Je remets dedans, comme ça au moins je suis sûre de ne pas le faire. Et nous avons les diamants spéciaux, donc forcément il va y avoir beaucoup de rouge, logiquement. Je vais pas y arriver. Okay. Alors, nous avons des gouttes comme ceci. Alors, elles sont multicolores. Elles sont trop jolies. Et après, nous avons... Ah, ça, j'aime pas trop. Là, il y a plein de petits résidus. J'aime pas trop. Elles sont trop pénibles. Donc, tant pis. Nous avons des toutes petites gouttes. Voilà, j'en avais eu dans le miroir et c'est très galère ça à poser. Mais bon. Ensuite, là, je pense qu'il y a eu un souci. Ouais, voilà. En fait, le sachet ne s'est pas rempli à la machine. Donc, ils l'ont rajouté, ils l'ont scotché derrière. Nous avons du noir, du rouge. Du doré, elles sont magnifiques celles-là. Du blanc, ça c'est mes chouchoutes. Du rouge et encore du rouge. Donc, je suis trop contente. Il me tarde de les faire. On les fera rapidement. De toute façon, je vais essayer de le faire le plus possible avec vous. Mais là, par exemple, sur le porte-clés, on en fera un ensemble et les autres, je les ferai hors caméra. Forcément, on va pas faire les 5 en même temps ensemble. Donc, voilà. Ensuite, j'avais adoré ça. Là, j'en ai repris un, hein, puisque j'en ai fait que un. J'ai pris un marque-page. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau celui-là. J'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Je l'ai trouvé très comment dire, je sais pas, très classe, très joli. Voilà. Donc j'ai craqué. Je l'ai pris. Et c'est pas cher ça. Ça doit être 3 euros, un truc comme ça, 3-4 euros. Il colle super bien. Donc ça avait des diamants spéciaux. Nous avons un magnifique pompon avec une jolie rose là, blanche. Je vous le sors pas parce que je vais l'abîmer après. Les enfants avaient abîmé le violet de celui que j'avais fait. Nous avons le kit de base et nous avons les diamants spéciaux. Donc nous allons vendre deux. Jaune, gros. Nous avons du bleu. Nous en avons un comme ça. Ils sont très jolis. Toujours mes perles chouchoutes. J'aime bien parce qu'il y en a partout. Nous avons du jaune saumon clair. Et nous avons du saumon. Du orange. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc là, ça, pareil, on le fera ensemble. Dès que possible. Ça va, c'est vite. Ça fait pas des vidéos trop longues. Donc, ça, on peut le faire ensemble. Je suis désolée. Ensuite, j'ai pris une autre toile. Je crois qu'il y a ma chouchoute en plus. Par contre, le colis a mis très longtemps à partir du moment où j'ai commandé.
Et le moment où il me l'a envoyé et que je l'ai reçu, ça fait pratiquement un mois, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il devait manquer des articles, puisque là, il en manque un. Je pense que c'est au niveau des articles que ça devait manquer. Mais ils ont mis presque 15 jours avant de me faire partir la commande. Donc, voilà. Alors, ça, je continue. Et ça, je vous avais dit que je croyais, pensais l'avoir loupé, en fait. Mais ils l'ont remis. Alors, du coup, je l'ai pris. C'est My Gorgeous. Avec un bocal et des cœurs. Qui est assis sur un bocal avec des cœurs. Voilà. Ça, elle est trop, 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 trop belle. Ça fait longtemps que je la voulais. Et je croyais vraiment qu'il la faisait plus. Parce que je la trouvais plus. Et là, ben, je l'ai vue. Donc, je l'ai prise. Elle colle super bien. Nous avons 24 couleurs. Donc, je vous montre peut-être la photo. Voilà. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Les symboles sont super bien imprimés, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, 24 couleurs avec la légende et la DMC. Donc, très, très bien. Et nous avons des diamants ronds. Donc, nous avons de l'orange, du violet, du gris, du noir. Un autre orange, un rose très clair, du bleu, du violet, du rouge. Là, il y a encore du rose. Il y a vraiment... de très belles couleurs. Il y a le vert pastel là. Mais bon, on le découvrira quand on la fera. De toute façon, celle-là, je vous la montrerai quand je la ferai. Mais je pense, je ne sais pas par contre si on la fera ensemble. Peut-être en accéléré, je ne sais pas. Bien sûr, il y a le kit de base. Hein. Hop, là. Ensuite. Bien entendu, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Alors, celui-là, ça fait longtemps que je l'avais vu en plus. J'ai pris un notebook. Oui, j'ai craqué. Il y avait un moment que je n'avais pas pris. Mais là, j'ai dit, il me le faut. Il est trop beau. C'est vrai que j'adore les notebooks. Et bon, voilà ce que ça donne. Donc, il est dans les bleus. Là, il ne ressort pas trop, hein, mais ça colle super bien. Ouf, il y a eu mieux hein, quand même. Ça colle, mais bon. Il ne faudra pas trop tarder à le coller quand même. Donc, voilà. Alors, il est ligné. D'accord. Là. Nous avons un kit de base. Hein, toujours le même. Et nous avons des diamants spéciaux. En plus, j'aime bien les pochettes. Après, je les garde. Et après... Est-ce que j'en fais des pochettes? J'y mets des petits trucs. Là, c'est des pochettes en plastique. J'en ai une autre avec des diamants où il n'y a pas de DMC. Mais que je garde au cas où. Donc, vraiment, c'est très utile ces pochettes. Donc. Alors, nous avons des strass bleus. Ils sont magnifiques. Bleu clair là, des blancs nacrés, des gouttes bleues nacrées, enfin, ouais. Et nous avons des AB, ils sont magnifiques, regardez-moi ça. Nous avons des éléphants, des strass argentés, vert et jaune. Donc, ça pareil, on le fera ensemble. Assez rapidement, hein. De toute façon c'est vite fait. Ça on peut le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Donc là, hop. Je regarde le temps. Bon, ça devrait peut-être passer en une vidéo. Je vais essayer d'accélérer. Ça m'embête de vous le faire en deux vidéos. Ensuite. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais je voulais essayer de le faire. Donc, en fait, il s'agit d'un décor pour mettre autour des interrupteurs. Donc,
c'est collé. Ouais, c'est collé. Alors. Ouais, ça colle là. En fait, je crois qu'il n'y a pas de papier là. Tout au bord. Bon. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour les interrupteurs carrés. Et en fait, vous venez le coller autour. Là, il y a l'interrupteur en fait. Et j'ai craqué sur ce petit oiseau. Voilà. Donc nous avons le kit. Et dans le kit, nous avons de la mousse 3D pour coller sur le mur. Hein. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très joli. Et ça, c'est quoi? Ça doit être des carrés aussi. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est autocollant. Ah ben oui, ça doit être des double face en rond. Donc, ça. Et nous avons les diamants. Donc, il y a beaucoup de strass. Hein. Alors, nous avons des tout petits yeux de chat bleu. Les toutes petites gouttes que je n'aime pas trop parce qu'elles sont trop pénibles à mettre. Mais je trouve qu'il y en a partout en fait. Des gouttes comme ceci. Ça, la couleur est magnifique. Nous avons des strass argentés, marrons. Ils sont magnifiques les marrons. Du turquoise, de l'argenté. Du vert clair, il est trop beau celui-là, un style vert pomme là. Du saumon un peu plus foncé, du vert, du violet, du jaune et du vert. Donc là, je suis contente parce que ça fait un moment que je voulais essayer. Mais toujours pareil, je me dis où tu vas le mettre, est-ce que ça va être utile. Mais là, j'ai décidé en fait de tester, de vraiment tester avec vous et vous donner mon avis. On m'avait déjà demandé si j'allais en faire et tout. J'avais dit, mais pour le moment, non, mais bon. Mais je trouve que c'est bien, c'est intéressant de vous le tester. Et pour moi aussi. Je vais y arriver, je vais voir si ça coulait. Ça a l'air de bien coller quand même. Ah, ça colle super bien. Donc voilà. Donc ça, hop, là. Ensuite, j'ai voulu tester. Alors, j'ai jamais fait. Bon, pour moi, je le mets à même truc que pour le bloc-notes. Mais en fait, c'est pour mettre un passeport. Voilà. Alors, je n'ai pas de passeport. C'est clair. Mais je voulais tester pour voir, pour pouvoir vous donner mon avis et vous dire si c'était bien ou pas. Tout simplement. Ça colle super bien. Donc, j'ai beaucoup aimé ce dessin. Moi, je trouve que je suis dans les bleus, là. Le cahier, ça. Le chat, il est bleu aussi, la toile. Donc, voilà. Donc, on met son passeport, en fait. Hein, et après, on le retourne. Donc, je voulais voir un truc. Bon, on verra ça. Ah non, je pense pas. Je voulais voir s'ils avaient mis des diamants sur la pliure en fait. Non, ça passera. Donc voilà. Bon, par contre, moi je pourrais pas vous le tester avec quelque chose dedans parce que je n'ai pas de passeport pour vous mettre dedans. Mais voilà, je voulais vous faire un protège de passeport en fait. Voilà, avec vous. Donc, nous avons la barquette. Bon, toujours pareil, niveau prix, ils ne sont pas très chers. Ils font des étiquettes aussi pour les bagages. Donc, nous avons du bleu. Nous avons des gouttes blanc nacré.
Nous avons des toutes petites perles AB blanc nacré. Elles sont trop belles. Trop belles. Ça. Nous avons du vert, du bleu. Il y a plusieurs bleus. Hein. Elles sont trop jolies. Là, ça, c'est du blanc normal. Bon, c'est dommage, ils auraient pu mettre en AB ou en nacré. C'est du blanc. Ils sont gros quand même. Et des yeux de chat bleu. Donc, pareil, on le fera ensemble, ça, de toute façon, parce que c'est des nouveautés. Hein. Donc, ça, on le fera ensemble. Hop. Je remets tout dans la poche. Je vous mets aussi en barre d'infos un code promo, c'est Joël31 de tête, qui vous donne droit à 15% sur votre commande du site. Et c'est très gentil de leur part parce que franchement, 15% c'est énorme. Donc après, moi j'ai voulu tester une lampe. Voilà. Ça faisait un moment que j'envoyais, que je disais, bon, un jour je testerai. Et bien là, j'ai dit, je vais le faire. Je l'ai trouvé assez sympa. Donc, j'ai jamais fait pareil, c'est des nouveautés. Donc, je l'ai trouvé assez joli. Donc, voilà. Alors, là, nous avons, ça c'est pour les ampoules, hein, pour une fois qu'on a fini. Nous avons ceci. Donc, bien sûr, il y a le mécanisme. Donc, les ampoules, on viendra les passer dans chaque trou. Et après, on viendra coller ça et mettre ça dessus. Mais on le fera ensemble. Mais je pense que vous devez connaître. Hein, c'est pas... Moi, depuis que je fais du diamant painting, donc il n'y a pas très longtemps, c'est depuis quoi novembre, décembre. Peut-être décembre. J'en vois donc, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant il n'y en avait pas qui m'avait tapé dans l'œil, et alors que celle-là, j'ai craqué dessus. Donc, une fois qu'on a fini, on met ça, et voilà. Et derrière, nous avons l'interrupteur, il faut mettre des piles, mais on le fera ensemble. Hop. Nous avons le kit avec des pochettes dedans, et ah ouais, nous allons regarder les diamants spéciaux quand même. Bon, ça va, il me reste un objet après. Alors, regardez-moi ces diamants. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Je les trouve trop jolis. Nous en avons un bleu comme ça, un gros. Et ensuite, nous avons des gouttes. Ils sont trop jolis. Regardez ça, les bleus là. Nous avons des longs... yeux de chat, non, je sais pas comment ça s'appelle, jaune. Regardez-moi cette brillance, du bleu, du... je sais pas, je crois que c'est de l'argenté plutôt, c'est pas du tout rouge. Voilà. Et ben, du noir ou de l'argenté, du noir. Voilà. Donc pareil, ça, on le fera ensemble. Moi j'ai jamais fait, donc je pense qu'on le fera ensemble comme ça. Hop. Donc ça, hop, ça je le rangerai après. Et pour finir, une dernière toile. Bon, mais donc il me manquera un objet, j'espère qu'ils me l'enverront plus tard. Donc, ça, c'est... J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Et je ne l'ai vu que chez eux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas... il n'y avait pas que chez eux. Mais bon, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai dit, celle-là, il me la faut. Donc, il s'agit de la belle en mini avec les oreilles et le nez, tout simplement. Et le nœud. Et j'ai vraiment craqué dessus. Ouais. Donc, je savais même pas que qu'on pouvait combiner les deux. Et j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je suis tombée dessus. Je dis, waouh, je la prends.
Donc, elle colle super bien. Je vous montre le dessin de près. Ah, j'ai perdu. Non, elle n'a pas envie. Bon. Ah, si, ça y est. Donc, voilà. Nous avons 20 couleurs avec la DMC. Les symboles sont super bien imprimés, comme vous pouvez le voir. On dirait que c'est pour une carrée, mais en fait, non, c'est des ronds. Hein. Et donc, les diamants, ils sont mal. Faut les ranger un peu. Mais voilà. Donc, nous avons plein de jolies couleurs. Du rose, du saumon, du rouge, du bordeaux, du orange, du vieux rose. Donc, du violet, un autre rouge. Enfin, franchement, je pense que ça, ça doit être le fond. Le vieux rose. Le saumon. Ouais, je pense. Donc, voilà. Donc, je pense que celle-là, on la fera ensemble parce que vraiment, celle-là, je ne l'avais jamais vue nulle part. Et c'est un gros coup de cœur aussi. Ouais, je sais, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais en fait. Elle est trop belle. Voilà. Je ne sais pas si elle ressortira bien, mais ça, on le verra en la faisant. L'occasion de voilà, voir si 30-40, ça suffit pour une toile comme ça. 30-40 avec les bords. Voilà. Donc, l'image est plus petite. Elle est quand même abîmée. Mais bon. Après, vous voyez, c'est que le plastique qui est abîmé. Donc, je suis trop contente. Non, voilà. Non, mais écoutez, voilà pour ce partenariat New Me. J'ai été encore bien gâtée. Donc, je voulais remercier New Me pour m'envoyer ces merveilles. Franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Et je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos le lien des articles. Le lien de la boutique New Me et le code promo qui vous donnera à 15% de réduction pour toute commande que vous voudriez passer. Pensez-y si vous voulez passer une commande parce que c'est bête de... voilà, 15 euros, 15% c'est 15%. Franchement, c'est dommage de ne pas s'en servir. Les frais de port sont gratuits à partir de 55 euros d'achat. Vous avez une toile offerte pour 3 ou 4 ou 5 achetés, un truc comme ça. Ça change de temps en temps, donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais voilà, vous avez des promos sur le site, c'est pas excessif. La toile là, celle-là, elle doit être à 5-6 euros, un truc comme ça. Franchement, c'est plus que correct. Moi, je trouve en tout cas, voilà, que c'est plus que correct. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, j'espère que ce unboxing vous aura plu. Moi, je remercie New Me. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, notamment les tests de toutes ces merveilles, parce qu'on va le tester ensemble. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.